Chers amis, bonjour. Je suis assis là dans un parc magnifique, le soleil, les arbres, le chouchoutement des feuilles des arbres. L'automne est déjà là. Et j'ai eu beaucoup d'idées pour partager avec vous. Je m'excuse, je filme en selfie. Qu'est-ce que je peux partager avec vous, chers amis, sinon vous redonner un bon moral, de vous transfuser de l'énergie. Chers amis, dans beaucoup de mes vidéos, je vous avais dit que nous avons le pouvoir de décider. La force magnétique là, qui émane du champ magnétique du cœur quand vous faites l'électrocardiogramme. Alors, cet après-midi, j'aimerais partager avec vous l'idée suivante. Que faites-vous de ce que la vie a fait de vous? Je répète, qu'est-ce que tu as fait de ce que la vie a fait de toi? Si la vie a fait de toi un milliardaire, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu as amélioré l'humanité? Est-ce que tu l'as fait progresser? Ou tu as continué encore à exploiter? Si la vie ou tes parents t'ont donné un héritage génétique, « Ah docteur, c'est génétique, je suis malade toute ma vie », qu'est-ce que tu en fais de cela? Qu'est-ce que je fais avec ça? Chers amis, nous sommes des transformateurs, on transforme, on reçoit des énergies, on a des ressources en nous, on ne doit pas rester là. Hier encore, j'ai vu une jeune de 25 ans, pleine de diplômes, mais docteur, qu'est-ce que je fais de ça? Je ne sais plus, regardez la société. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Je ne veux pas commencer à citer encore des grands hommes. La plupart des génies, la plupart, bon, beaucoup, Steve Jobs et les autres. Je me souviens d'un certain Philippe qui a été amputé de deux bras et de deux jambes. Il a traversé la Manche. Des orphelins qui sont arrivés à devenir des présidents. Il y a plein d'exemples dans la vie. Nous devons affronter le combat de la vie avec bienveillance. Une pause. Chers amis, chers amis, je m'adresse à toi, jeune, plein de talent. Dis-toi, au lieu de dire « Ah, c'est la faute de mes parents, j'ai hérité ça », mais je t'avais expliqué l'épigénétique. Ok, regarde mes autres vidéos. Comment te motiver? Ben regarde-toi, connais-toi toi-même et regarde. Qu'est-ce que j'ai comme talent? Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, tu le fais. Quels que soient les obstacles, tu fonces. Et comme je le dis souvent, dès que tu as pris la bonne décision pour mettre tes talents au service des autres, la vie même, les forces divines même, les anges du ciel, chers amis, vont t'aplanir le chemin et mettre des pétales de rose sur ton chemin. Voilà l'idée que j'aimerais partager avec vous. Je ne veux plus voir des jeunes, « Ah docteur, ah j'ai peur, ah je suis, ah ce matin il y a un patient, ah ben moi j'ai la maladie HLA, machin, j'ai hérité ça de mes parents, et puis là il est assis là, il ne fait rien. » L'autre, ah bah c'est la société, regardez, tout est bouché. Combien de vidéos je vous ai fait, chers amis? Chaque génération, chaque époque, la vie te donne ce qu'il faut. De mon temps, il n'y avait pas Internet. À peine Apple commençait, à peine. J'étais encore à l'hôpital Necker à Paris. On allait avec les copains tripoter les ordinateurs. La vie donne pour chaque génération ce qu'il faut. La génération actuelle, vous avez Internet, vous avez tout ce qu'il faut. Il faut avancer. Une minute. Tout à l'heure, j'ai reçu un mail d'une jeune de 29 ans. « Ah docteur, je sais tout ça, j'ai plein de choses, mais je ne peux pas agir. Je ne peux pas passer à l'action. » Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement,
D'abord, tu as un corps. Il faut que ton corps soit désintoxiqué. Ce qui parfois empêche d'agir, c'est parfois l'accumulation des toxines dans ton corps. Alors, tu te nettoies le foie, tu te désintoxiques de tout ce qui est mauvais, bien sûr. Tu prépares ton corps, parce que ton corps, c'est ton ordinateur avec lequel tu vas pouvoir travailler. C'est un instrument, ton corps. Mais tu n'es pas ton corps, rappelle-toi. Donc, il faut que cet instrument soit en bon fonctionnement. Je t'avais expliqué dans d'autres vidéos quelques plantes, ce qu'il faut faire, le sport, bonne alimentation, bon sommeil. Tu ne peux pas prendre une décision, tu ne peux pas agir si tu ne dors pas la nuit, si tu fais des cauchemars toute la nuit ou si tu es intoxiqué par alcool, tabac, shit, sédentarité, peur, blocage. Ah oui, oui, mais oui, j'ai eu une vie familiale très spéciale, mes parents s'est disputés, c'était quelqu'un dans le nord, un ch'ti, vous voyez. Non, 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 tu avances. Tu avances, ne culpabilise pas les autres. La vie a donné à chaque être humain des talents. Mets-les en pratique, découvre-les d'abord et tu les mets en pratique. Et tu fonces. Donc, tu nettoies d'abord, tu prépares ton instrument qui est le corps, ok? Ensuite, tu réfléchis, comme je t'avais expliqué. Grâce à mes vidéos, je te donne des pistes de réflexion. Et tu agis. Et tu verras. Ah non, en France, non, si je fais ça, je vais avoir ça, ensuite il y aura ça, ah, donc il fait rien, il fait tout dans la tête, il fait tout dans la tête, mais il n'agit pas. Alors pour passer à l'action, il faut débloquer un peu le mental, et pour débloquer le mental, ben je t'ai expliqué tout cela, d'accord? Là tout à l'heure j'ai vu un voisin de 60 ans, il allait courir, il n'était pas bien, je l'ai conseillé, il m'écoute, je le vois dans ma résidence. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Une minute. Ah, tout à l'heure, en parlant de ça, j'ai vu des enfants, un enfant qui est venu vers moi. Il y a quelqu'un, il y a 2000 ans, a dit, soyez comme des enfants. Un enfant, il tombe, il se relève en souriant, il avance. Là, tout à l'heure, l'enfant, attends, on le voit. Attendez, je vais essayer de le voir. Il est venu vers moi magnifiquement là. Attendez, je ne peux pas faire un zoom, mais on les entend déjà. Tu regardes les enfants, ils sont pleins d'énergie parce qu'ils n'ont pas le blocage. Un enfant ne dit pas, si je fais ça, je vais avoir ça. Si je joue avec le ballon, je vais tomber. Il ne fait pas. Il fonce, il joue, il est poussé par la joie. Il n'est pas conditionné encore. Ok, voilà, une pause. Donc pour conclure cette vidéo, cher ami, sois un bon transformateur. Ok, tu transformes, tu synthétises, tu prends des éléments, tu les mélanges ensemble et tu fais autre chose. Tout ce qu'il faut, il y a déjà, il est déjà dans le cosmos. Tout, l'être humain ne peut que lier, synthétiser, transformer. Rien de nouveau sur le soleil. Lavoisier, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Lavoisier? Rien n'est anéanti. Tout se transforme. Donc, pas de subterfuge. Découvre tes talents. Découvre ce que la vie t'a donné. Et tu fonces. Sans peur, sans calcul, sans principe de précaution à la française. Hein. Ok? Et tu verras. Tu me tiens au courant. Vois ce que la vie t'a donné et ce que tu en as fait.